Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Factorio Multinoobs. On se retrouve avec Katox. Salut Katox. Salut. Et on est toujours, eh bien, sur notre transformation de tapis, qui fait son bonhomme de chemin, hein. Je me demande presque si ça vaudrait pas le coup de le faire en off, mais je pense que franchement, vous nous en voudriez. Mais non, c'est très sympa la transformation de tapis. Bah ouais, de toute façon, on discute, on fait des plans pour l'avenir aussi par la même occasion. On se tape la tête sur le clavier. On se tape la tête sur le clavier. Non, on se tape pas la tête sur le clavier, mais absolument pas. Pourquoi non atteignable? Tu pouvais faire cela, mais pas celui-là, hein. Tu te fous de ma gueule? Ça illustre trop bien ce que je viens de dire. Ah non, mais parce qu'il y avait un arbre devant. Ah, je les ai fait à l'envers les tapis, en fait, ils vont dans ce sens-là. C'est pour ça que ça ne marchait pas. Ouais, c'est vrai que la pierre, ça commence à être la dèche quand même. Allez, c'est parti pour la construction de rails. Ouais, je suis désolé, si j'avais pu finir ces foutues potions, j'aurais pu en mettre, mais... Mine de rien, on a quasiment fini d'utiliser le bois qu'on avait mis quand on a eu notre dèche de charbon, donc finalement, c'était pas si mal, hein. Oh bah, il a servi. Il a servi, oui. Ma recherche avec les tourelles laser, 65%. Est-ce qu'on a un problème de quelque part? On va y jeter un œil en speed. Il faudra, en fait, je vais faire des radars parce que si on pouvait ne serait-ce que zoomer sur la map, voir ce qui se passe. Ah là, on peut surmonter dans le coin où je suis assez près, peut-être. Ouais, on a une dèche de potion bleue parce que j'ai mis un tapis à l'envers. Parfait. Bah, du coup, on y va quand même. Yes. Nickel, allez, ce magnifique tas de potions bleues parce que ici ça va dans le mauvais sens. Voilà, parfait. La recherche n'avançait plus des masses, du coup, forcément. Alors ça, c'est sûr qu'il va y en avoir des échecs de ce genre, de toute façon. C'est le principe, hein. C'est pas. Du coup, mine de rien, on avait une production suffisante de d'engrenage, hein. En fait, c'était le tampon qui foutait la merde, quoi. C'est ouf, ça. C'était vraiment le tampon qui foutait la merde. Impressionnant. Hop, on prend quelques tapis rouges en passant. On va aller charger ici. Comme ça, récupérer cela. Et transformer celui-là pendant qu'on y est. Voilà. Ici, on a quelques-uns qui traînent. De toute façon, ici, j'ai rien fait, hein, dans cette zone. Ah bah oui, la recherche s'est terminée, ça va un peu mieux. On n'avait pas une tourelle laser portative, un truc du genre, non? Vitesse de tir des tourelles laser 3. Ben, prenons ça. Y a pas un truc pour qu'elle consomme moins? Non, j'ai pas l'impression. Décharge électrique de défense. Ok. On doit l'avoir déjà faite, la tourelle portative, du coup. Non. Dommage, tourelle laser. Produit inflammable. Artillerie. Ouf, wagon d'artillerie. Tourelle d'artillerie. Oh putain, c'est bon ça. On peut pas le Voilà, faire. là on arrive sur des recherches intéressantes. Ah, on peut pas le faire malheureusement. Il nous faudrait les potions jaunes qu'on n'a même pas encore commencé à travailler dessus. Par contre, il me semblait qu'il y avait un truc de tourelle qu'on pouvait mettre sur notre épaule là. Sûr. Laser de Laser. défense personnelle, voilà, c'est ça, le laser de défense personnelle. C'était le processeur bleu qui posait problème. C'est ça, les processeurs bleus. C'est foutu, processeur bleu. Bah écoute, tu sais quoi? On a une grosse production de processeurs là, donc je pense que je vais taxer dessus comme un gros sac. Parce que pourquoi pas? Il faut quoi pour ces processeurs bleus? Des processeurs verts et des processeurs rouges. Alors par contre, je suis encore en train de construire là, donc on va récupérer celui-là. On va lui mettre une recette de... Non, on va mettre celui-là, il est déjà bien placé. Toi.
Tu vas nous fabriquer des processeurs bleus. Ah, il faut de l'acide sulfurique. Fais chier. Non. Non. Pourquoi? Tant de haine. Fais chier. Faudrait qu'on le récupère là, éventuellement, hein. Puis qu'on fasse un tuyau pour descendre. Ah, le bordel. Puis en plus ça renvoie là, donc de toute façon on a besoin par là-bas. Ah mais il y a ce tuyau là, je peux peut-être récupérer. On a des tuyaux sur nous, non, puisqu'on est mort, on n'a plus rien sur nous de toute façon. On fera. On va balancer la fabrication de quelques tuyaux. D'ailleurs je crois qu'on a un truc qu'on fabrique quelque part. Voilà. Hop, et puis on s'en occupera quand on aura dépié nos fabrications. En attendant, on remonte s'occuper du bordel. 5 tourelles sont entrées en combat avec l'ennemi. Ah, c'est en bas. Ils ont géré. Oh, ils ont l'air d'avoir géré. Ça va. Ça va, ça va. Ouais, si jamais t'as besoin de coup de main pour le train ou quoi que ce soit, tu me dis, hein. Ça roule. Là, il faudra aller. Hop, je pense qu'il faudra aller éclater le petit camp qu'il y a sur le chemin jusqu'à la pierre. De toute façon, il faudra faire une petite session de nettoyage autour de la pierre et proche du minerai de cuivre. Pas le choix. Ouais, ça c'est clair. Ouais. Pour l'instant, je suis en train de tirer les voies de train. Parce que de toute façon, ça, je pense pas qu'ils attaquent les mobs. Non, les voies de train, ils attaquent pas. Sinon, il serait mort depuis longtemps, notre train. Ouais, je vous confirme. Hop. Oh putain, j'ai oublié de couper ça, quoi. Toc. C'est du rouge ici, ouais. C'est déjà du rouge. Ça, c'est pas du rouge, on s'en fout un peu. On va le faire par acquis de conscience. Non, raté. Ça se vide. Ici, c'est déjà plus ou moins tout rouge, sauf ces tapis-là. Et ça, ah oui, ça c'est pour, ok, c'est pour alimenter le train. Oui, c'est vrai. Pas bête. Pas bête, pas bête. Tout ça c'est déjà en rouge, les répartiteurs ça a l'air d'être bon, les trucs souterrains ça a l'air d'être bon, ok, visiblement on est bon de ce côté-là. Ça commence à être pas si mal, mine de rien. Là, il y a des trucs qu'il faut qu'on transforme. Bon, celui-là, comme il est surchargé. Je vais récupérer ça par contre. Parce que ça va me servir pour en bas tout à l'heure. Merde, raté, putain, je vais arriver un jour. Ah, c'est ça, pourtant, c'est dans ce sens-là. C'est juste que j'étais trop vite là, pour le coup. Ici, il y en avait, c'était rouge. Il y a du jaune là. Je vois un petit peu de jaune hein, qui fait style. Je l'ai pas vu. Hop,
Hop, hop là. Bon, bah, je pense que la production de base est tout en rouge maintenant. Là, il y a peut-être un peu de jaune qui traîne là-dessous. Non, même pas, c'est déjà transformé. Parfait. Là, il y a des souterrains jaunes qu'il va falloir qu'on transforme, mais on en a plus. On va s'occuper d'abord de notre truc qu'on voulait faire, je sais même plus quoi. Si, des processeurs bleus. Il fallait de l'acide sulfurique, il fallait des pipes, et on a des pipes. D'ailleurs, ça se passe comment l'acide sulfurique? Je l'injecte direct dans... ça me paraît bizarre, mais peut-être. On l'injecte direct dans le module d'assemblage? Faut qu'on le mette dans un... Non, oui, on peut. Je crois qu'on fait des trucs déjà, on injecte de l'acide dans des... Oui, non, c'est bon. On injecte ça dans, dans la machine d'assemblage, ça le fera. Donc du coup, on va se greffer là. Avec un souterrain. On peut ressortir ici ou pas. Voilà, faut qu'on vire ce panneau qui ne sert à rien. Ensuite, on va partir par là. Ouais, ça va être tendu. On peut se faufiler par ici. Ouais, mais du coup, je peux pas. Vitesse de tir des tourelles laser. Module de productivité, c'est parti. Il faudrait qu'on se faufile par là. Comment est-ce que je pourrais faire? Bah, transformer ça en souterrain déjà, ça serait pas mal, ça ferait de la place. Hop, on charge ça, voilà, c'est parti. Ouais, on pourrait peut-être directement passer par là, et puis virer tous ces panneaux là, et faire des vrais panneaux qui foutent moi la merde. Ça a quelle longueur ce truc? Ouais, il m'en faut deux le problème, c'est ça. Ouais, quoique c'est grand, hein. Je peux aller jusqu'à où? Jusqu'à où? Jusqu'où? Jusque là par exemple, en faisant un truc comme ça. En virant ce panneau. J'ai plus de grands panneaux. Faisons des grands panneaux. Je vais mourir. J'ai marre. Ah, merde. Toi aussi, t'as été un petit peu trop. Non, j'ai juste pas vu que je me rapprochais un peu trop de la base. Juste une petite bague, cette petite base de merde, hein, mais bon. Alors, où est mon tank? Il reste plus qu'un seul tank? Non. Ouais. Je ne vois pas de quoi tu parles. Putain, c'est horrible tous ces poteaux là. Oui, tu sais, je les avais fait cramer les tanks sans faire exprès. Du coup, pourquoi il y a un mélange de barres là? Il y a un truc qui a foiré là. Les poteaux, ils arrivaient ici, les tuyaux ils arrivaient là, les barres d'acier viennent d'où là? Été comme ça non, à mon avis il devait y avoir un truc qui allait trop loin. Ça a pas besoin de poteaux, ça a pas besoin de tuyaux. Non, ça a besoin de quoi? Là on a des barres. Non, à mon avis j'ai merdé ici là. Il y a un truc de pas normal dans mon bordel là. Toi, tu fabriques des tuyaux, mais pourquoi tu fabriques des tuyaux?
Ah, je sais, si, si, je sais. C'est parce qu'en fait, c'est moi qui l'ai mis dans le mauvais sens. Ça allait complètement dans le sens, en fait. Autant pour moi. Bon, on va vider ça. Voilà. Hop. Et ici, pourquoi ça n'envoie pas les barres de fer? Ok, on a peut-être perdu un tank supplémentaire. Ah, je t'avais dit, hein, ils sont devenus violents. Je Ah ouais, croyais les pas. gros là, ils... Comment ils m'ont ouvert en deux? Ça picote. Tu t'avais dit, tu me croyais pas. Oui, bah écoute, voilà, ça j'ai fait, mais au moins j'ai rasé un petit peu de la base, mais ça ne sera pas suffisant. Ah ouais, non, mais ils deviennent vraiment des grosses saloperies, hein. Y a pas à chier, hein. Et on va ici, hein. On va ici. Ici, on va faire finalement émetteur de constante, absolument pas. Module de productivité. Et ici, on va faire du comme ça, voilà. Et du coup, on va envoyer ce tuyau. Puf, 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 puf et puf. Voilà. Et on va le faire décharger dans un coffre en attendant d'avoir mieux ici. Carrément, plus d'électricité. Ah, c'est comme ça. Bon, on a une production certes légère, mais quand même existante de trucs bleus. De processeurs bleus. Alors ici, j'aimerais bien comprendre par contre pourquoi. Ah, ça doit être parce qu'il est bloqué par des. Ah putain, il était bloqué par un poteau. Par un tuyau. Ok, très bien. C'était pour ça. Bien, 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 bien. Raté. Ok, bon, il va falloir refaire des tanks en urgence, hein, parce que je peux pas récupérer mon cadavre sans un gros Alors tout. attends, un tank. Bah t'es dans le même cas que moi, quoi. T'as l'air d'un con. Ils sont où? Merde, je l'avais sous les yeux. Il est là. Il faut des éléments de moteur. Je te lance une construction de tank. Hop. Ah, il me faut encore plein d'éléments de moteur. Et vu qu'on avait une baisse de production. Merde, ça va trop vite pour lui du coup. Toi, va falloir que tu drops un truc plus haut là. Voilà. C'est un peu juste en production d'engrenage visiblement. Avec seulement un truc là. On va foutre un bras bleu ici. Parce que logique, hein, avec tout ça là, lui qui ponctionne comme un porc. Ah mais non, mais en fait ça allait suffisamment loin là, mais c'est juste que j'ai enlevé un bras là. J'ai enlevé des bras. Ah bah c'est de là qu'il devenait mon grand bras. Allez hop, c'est reparti. Refaites-moi de la production de moteur là, j'ai besoin de moteur. Il m'en manque un. Un moteur, foutez de moi. Voilà, c'est parti, je lance un tank. Cool. Je vais te le poser à l'endroit habituel. Et je crois que j'ai des chargeurs un peu sur moi Mais pose aussi. après, si tu vois c'est toute la zone, la nouvelle station qui va apparaître là. Essaye de poser dans ce coin-là. Ça m'évitera d'écraser la moitié des trucs en sortant. Alors, la nouvelle station qui va apparaître. Bah, je vois que t'es tout à gauche là. Je sais pas ce que tu fous. Auprès des explosifs. Je fais des obus. Ah, normalement il y avait une production d'obus explosifs, fallait juste lui donner ce qu'il voulait, ce qu'il veut. Bah oui, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai envoyé. J'ai l'impression qu'il y a un train qui est arrêté au milieu du chemin, non? À l'extérieur là. Oui, il y a carrément un train à l'extérieur. Oui, c'est parce que je l'ai repris pour avancer un peu avant d'arriver sur la base. Ok. 5 obus, ça fera le taf. La station, ça doit être ici, j'imagine. Ok, je vais te le poser là. Alors, où tu es, tank? Hop, boum. Va Du charger les carburant, communications. des chargeurs. Je t'ai mis quelques chargeurs, bon il n'y en a pas des masses, mais ça pourra quand même t'aider un peu.
Et il est blindé de carburant par contre. Mais j'ai pas de quoi faire des kits de réparation, donc je peux plus te mettre de kits de réparation. Ça ira. La vengeance, c'est un plat qui se mange rapide. Bah, c'est ce que je pensais aussi avant de crever dans d'atroces souffrances, donc je te conseille quand même de faire gaffe. Jamais. C'est pas pour rien que j'ai cramé deux tanks, on va dire. Pourquoi t'arrives pas à le choper, toi? Qu'est-ce que tu fous? T'es trop lent? Ouais, t'es trop lent, d'accord, très bien. Et ben, on va vous remplacer, bande de bras trop lents. Si vous êtes trop lent, c'est tout. Hein. Après tout, les moteurs, c'est un peu le nerf de la guerre, donc faut en fabriquer. Au niveau des processeurs, on en est où? On en a 17 déjà. C'était pour faire quoi? Je me souviens plus. Des processeurs bleus. Laser de défense personnelle. Ah oui, le laser de défense personnelle, il est où? Il est là. Laser de défense personnelle, il faut des tourelles laser et des processeurs. Et énergie par coup, 50 kJ, et la petite batterie là, capacité énergique 20 mégajoules. Ok. Batterie personnelle MK2, qui fait deux fois plus. Et qui fait la même taille en plus, intéressant. Par contre, il en faut 10. Ah oui, ok, ah, ça pue la même. Il faut 10 petites batteries pour faire une grosse batterie. Eh bien. J'ai envie de dire, allons-y. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, je sais, Zikino. Si je fais des clics gauche, eh ben, ça m'en prend 5 d'un coup, je sais. Excuse-moi. Ou des clics droits. C'est mash clic droit, je crois, pour faire 5, c'est ça. Je vais faire des tuyaux souterrains parce qu'en fait, c'est casse-couille de voir. Voilà, comme ça au moins on peut passer. C'est relié là? Non, c'est celui-là qui sert à rien, ok. Hop là! On va pouvoir faire... Bah pas tout de suite. On peut déjà faire ça, c'est parti. Tant qu'il bosse. En attendant, on va aller poser quelques tapis, je vois qu'il y a des endroits où c'est pas tout à fait fini là. Hop, ici ça sert pas à grand chose vu que pour l'instant il n'y a pas grand chose qui se fait, mais ce sera toujours ça de prix. Oh putain, j'ai du mal avec cette souris là. Hop là. Raté. Ici, on n'avait pas fini notre bordel. Hop. C'est très important d'amener des potions noires de manière la plus rapide possible à leur coffre. Pourquoi ils bossent pas eux? Pourquoi ils bossent pas eux? On n'a plus de grenades. Où est-vous ça? Qu'est-ce qui se passe avec les grenades? C'est la vie. Les grenades, elles sont censées se décharger là, visiblement. Ah ouais, bah alors, il n'y a plus de courant donc forcément plus rien ne marche. Ok, elle a posé une grenade, la grenade descend. Et elle va se coincer là. Ok, ici j'ai dû foirer un... Très probablement un virage. Ouais voilà, c'est mieux comme ça. Ok, eh bien, c'est pas gagné cette transformation en tapis, moi je vous le dis. On n'est pas sorti du sable. Il y a du jaune là, non, non. Pas le jaune. Ah, c'est vrai que des fois, par contre, quand ils sont pleins, c'est pas facile de voir dans quel sens ils vont, donc c'est pour ça que je me foire un peu.
Hop, ça c'est, je suis assez proche là. Et en fait, ce qui a changé aussi dans les bases, c'est que les bases, tu sais, les gros verts qui faisaient la défense. Ouais, les tourelles. Ils ont évolué. Ouais, ils ont évolué, pas qu'un peu. Ah oui, ils sont violents maintenant. Ouais. Alors, mais dernière fois, tout à l'heure, ouais, non, ça fait quand même un moment qu'on a tourné, mais tu te moquais de moi parce que je mourrais, mais. Pas si nul, hein. Il y avait une raison pour laquelle je crevais aussi lamentablement. On commence à être pas mal là, ici, il y en a un qui traîne. Je crois qu'il va falloir trouver un truc pour être plus efficace que le tank ne l'est plus. Bah après. La technique avec les tourelles. Ouais, il y a la technique des tourelles où il y a le. Passer au niveau du dessus de. Du tank. Quoi, ça marche pas. Il y a un niveau supérieur au tank. Non, mais par contre, il y a le niveau supérieur de. Comment? Pas de tank, mais je vais y arriver. De munitions. Ah ouais. Passer aux munitions à l'uranium et compagnie. Ouais, possible. Pourquoi c'est rouge? Pourtant, on a ce qu'il faut. Pourquoi elle est rouge, ma tourelle de défense hein? Placé dans la grille, placé dans. Ouais, c'est bien, j'ai bien le minimum requis, à savoir une modulaire portée de 15, cadence de tir. Ouais, un truc m'échappe. Si j'enlève la batterie, c'est rouge aussi. Je vois pas pourquoi ça serait rouge. Bizarre. Faire une batterie MK2 et un panneau solaire supplémentaire. Ouais, c'est bizarre. Moi, pour recharger toutes les batteries, je crois que j'ai mis 6 panneaux solaires portables. Tu en as fait combien des batteries? Je fais 2 batteries et. Non, mais c'est vrai que c'est bizarre parce que le concept de énergie par coup en kilojoules, mais la consommation max en kilowatts. Les batteries stockent des joules aussi, enfin, c'est assez. Donc c'est pas ultra trivial quoi. Voilà. Oui, j'aurais pu faire 2x5, oui je sais. Laissez-moi en paix, laissez-moi en paix. Leave me alone. Les calculs c'est compliqué. Il y a plus de batterie pour mes lunettes de vision nocturne. En fait, ça doit être... la max consumption c'est 120 kW et j'imagine qu'il doit lui falloir 120 pour pouvoir fonctionner. C'est pour ça qu'elle est rouge. Cela dit, l'électricité est verte, la barre d'électricité est verte, ce qui reste quand même assez particulier, mais bon. Allez, on va pouvoir attaquer la batterie. Ouais, elle est hyper longue aussi, fait chier. Bon, bah, je pense qu'on commence à être bien en termes de tapis. Peut-être pouvoir enchaîner avec les. Il galère quand même. Hein. Avec le. Comment ça s'appelle? Les meilleurs poteaux. Parce que c'est vrai que là, c'est un peu le drame quand même. Je vais dézoomer un coup. Est-ce qu'on voit du jaune encore? C'est rouge, c'est rouge, c'est rouge, c'est rouge. Ah, là il y a un jaune là. Lâche-moi, tapis. Hop, voilà. Tout ça c'est du rouge. Ah, là il y a un petit jaune là. Voilà. Ah, et là il y a un petit jaune aussi. D'ailleurs, le tapis est peut-être jaune au milieu. Non, même pas, il est rouge. Ok. On n'a plus beaucoup de tapis, donc on va passer en reprendre un peu. On a une batterie personnelle MK2 de disponible. Parfait.
falloir le charger. On a un panneau solaire également. On va en mettre un là, on va mettre une autre batterie. Et on va voir si ça suffit du coup avec une autre batterie. Il n'y a plus de charge là. Déchargeons nos tapis jaunes. Voilà. Bon, ça y est, on est reparti niveau engrenage, c'est bon. Il a tout terminé là. Dès qu'il arrête de toute façon de faire des convoyeurs souterrains, on est bien de nouveau. Ils sont où ceux que j'ai transformés? Ils sont là. Voilà, convoyeur rapide des familles. Ah bah ici, ouais, il y en a plein là qu'il faut transformer. Là. Hop. Hop et hop. Voilà. Bon, ça amène du charbon, donc c'est pas forcément ultra grave. On va faire une petite passe à droite à gauche. Ouais, ça a l'air pas mal. Ici, il y a du jaune. Ah là, il y a du jaune là. Ah puis ici, on voit qu'il y a un petit peu de jaune aussi au milieu. Plein de tapis jaunes. Ouais, ici, il y a plein de tapis à mettre encore. On va s'en occuper. Hop. En fait, on voit mieux en dézoomant limite quoi. Alors, et par contre, ouais. Je vois pas le sens des tapis quand je dézoome. Là, c'est pareil, toute cette partie-là, je l'ai pas transitionné encore. Alors, on a dit clic 3, 5 par 5, voilà, très bien. On va aussi lancer cette batterie-là. Non, il me faut des petits processeurs. Bon, on va aller passer en chercher une fois qu'on aura fait ça. Ça c'est plein donc c'est pas forcément une priorité, mais vu que je descends, c'est l'occasion. Toc toc toc. Toc 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 toc. Ah, ici il y a un petit peu de jaune aussi. Là je devais probablement vouloir construire un truc que j'ai pas construit, donc on va récupérer ça. Ici on est bien, ici on est bien, on descend, on se faufile. Recherche terminée. Ouh, on débloque plein de trucs. Ah putain, il va nous falloir commencer par contre à avancer sur les autres potions là. Vitesse de tir des tourelles laser, c'est parti. Raté, j'étais pas dans le bon sens, j'ai mal regardé mon écran. C'est ça de vouloir regarder à quelle durée d'épisode on est. Faut faire des épisodes d'une heure, ouais. Ça commencera à faire long quand même, une heure. Ok, on est bien. Donc on a dit, on chope ça, on lance. Un truc comme ça, on peut pas parce qu'on a pas de barre de fer. 110 barres de fer, putain. Dans les tuyaux, c'est relou par contre. T'empêche vraiment de passer. Voilà, c'est parti. Du coup, on doit avoir ce qu'il faut en panneau solaire. Où est-ce qu'ils sont? Là. Hop, hop, hop. Ah, il se remplit lentement la batterie. Hein. Ah oui, on est en train de construire nos machins rouges. On a un cas sur nous, ça devrait suffire pour l'instant. Bien. Ça commence à être pas dégueu. Donc il fallait qu'on s'occupe de ce qui était là-bas. Là-bas, il y avait encore du jaune. Du jaune à foison. Ouais, tout là, il y a du jaune. Hop. Ça, c'est du jaune. Trop loin. Ça c'est du tapis jaune également. Oula. Échec.
le misclic. Ici on a de l'arrivée de cuir qui n'est pas en rouge, c'est un scandale. Son arrivée de cuivre, elle va sauter incessamment sous peu. Ah, tu la réinjectes pas Bah de toute façon on va pas la retransformer maintenant parce que elle va. Si je vais à partir de À partir de ta station plus ou moins. Bah là, ah ici, oui, t'arrives ici, ouais, ok, d'accord. Voilà. Ouais, du coup oui, je peux quand même m'occuper de cela, du coup. Ça le fait. C'est le bon sens là, ouais. Certaines personnes facétieuses me diront « Mais tu as regardé la durée de l'épisode et il est trop long. » et oui, il est trop long, mais j'avais envie de finir ça. Voilà. C'est tout. Ici, tu es à l'envers. Toi, tu es complètement à l'envers. C'est n'importe quoi. Je sais pas du tout qui c'est qui t'a placé. Franchement, encore un punk qui réfléchit pas. Mais quelle honte. Mais quelle honte. Ah ouais, c'est une véritable indignité. Hein. Bon, on va changer ces trucs-là déjà. Hop, ça va assez vite. Voilà, il n'y aura plus qu'à faire la... Allez. Faire tout ce qu'il faut de l'autre côté. Tu veux dire, genre, tuer les monstres? Oui. Globalement pas, oui. Globalement, tuer tout ce qui passe. Merde. Hop. Parce que l'arrivée de cuivre est faite. Il n'y a plus qu'à la fournir. Ouais. En temps voulu, si besoin, je ferai un tampon. J'aimerais bien vouloir finir ma batterie juste pour voir si du coup ça fonctionne pour le truc. Bon, cela dit, qu'est-ce qu'il y a galère à se remplir. Vache. C'est costaud, hein. Elle faisait que 50 pourtant l'ancienne là. C'était si long que ça, j'ai pas fait gaffe, vous me direz, ça se trouve, oui. Hein. Ah, c'était 20, hein, c'était 20. Ah oui, du coup, ça fait quand même un peu plus, ouais. Il semblait qu'elle faisait la moitié, mais non, absolument pas. Un sixième en fait. Un cinquième. Ouais, donc du coup, on va pas pouvoir vérifier cet épisode là, je pense, être trop merdier. On va retourner poser les tourelles qu'on a sur nous avant d'oublier. Hop, voilà. Toc, toc. On va poser un petit radar ici pour pouvoir surveiller cette zone. T'as pas de courant ici, tu te fous de moi. Où sont mes poteaux? Mais pourquoi je n'ai plus de poteaux? Je vais peut-être le poser en endroit où il y aura du courant, hein, cela dit, parce que bon, il y aura du courant dans le coin quand même. Genre voilà, par là, là. C'est très bien là. Hop, voilà. Comme ça, on pourra zoomer sur cette zone et voir ce qui chie. Si jamais il y a besoin. C'est bizarre, pourquoi ils vont plus loin ces trucs. Bon, du coup, pause. On s'arrête là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut.